Bonjour, je m'appelle Bachir Guerfier en fait. Je suis chargé de mission en fait du dispositif LOSC en famille, un dispositif en fait qui est dirigé en direction en fait des structures sociales et notamment donc avec des clubs de prévention tels que le FCP. Cette saison, donc saison 2012-2013, on a travaillé en fait avec six structures puisqu'on nomine en fait six structures chaque saison. Et là, en l'occurrence, on a eu également pour lauréat le FCP de Marcq-en-Barœul. Et l'action qui était menée, en fait, c'était une course de voiture à pédales. Donc très originale. Et là, on était vraiment sur une idée un peu novatrice. Donc à la base, donc, on réunit en fait les six lauréats à travers un premier rendez-vous qui se fait directement au domaine de Luchin, en fait, donc le centre de formation du club. Donc là, c'est une première présentation un peu officielle, protocolaire. Donc il y a ce qu'on appelle en fait des rendez-vous pour les comités de pilotage locaux. Donc là, c'est pour chaque structure un comité de pilotage local mensuel. Donc là, on est amené en fait à se voir. C'est moi en tant que technicien qui me déplace directement en fait dans la structure ou dans le lieu défini en fait par la structure. Là, en l'occurrence, c'était plus l'atelier donc sur la Madeleine où j'ai vu justement les ébauches en fait de la réalisation de la voiture à pédales. Le comité de pilotage local, c'est deux représentants structure, deux représentants des parents et également deux représentants des enfants ou des jeunes, là en l'occurrence des jeunes. Donc voilà, donc après le comité de pilotage local, donc qui se fait donc une fois par mois, on a également en fait trois voire quatre rendez-vous en fait dans l'année. Et là, c'est ce qu'on appelle des comités de pilotage généraux. Là en l'occurrence, donc c'était Dominique en fait qui était présent, qui se déplaçait. Et là, on débattait un petit peu de l'évolution, en fait, la direction à prendre, voilà, les choses à revoir, les côtés positifs, négatifs, et on débat entre techniciens. Donc, bien évidemment, ça crée des liens, puisque bon, il y a quand même plusieurs générations en fait qui sont réunies, hein, ne serait-ce que les jeunes, les parents, et voire même au-delà, puisqu'on a aussi des grands-parents, et je pense même que dans le groupe c'était le cas, qui par contre se déplacent en fait lors des matchs à domicile. C'est 12 places à disposition en fait des structures pour tous les matchs à domicile. C'est vraiment un groupe unique déjà de par l'action qui a été menée et comment dire, les relations humaines qui ont été nouées en fait tout au long de ces différents rendez-vous. C'est vraiment l'une des structures que j'aime particulièrement. Bah parce que mon petit-fils me l'a demandé. Il m'a dit, mamie, tu veux pas venir avec moi? Il dit, parce que tu connais un petit peu. Oui, mais je connais pas les joueurs, je connais rien du tout, je connais que le. Il dit, tu viens, tu vas voir, ça va être formidable. Mamie, je regrette. Moi, ouais, sincèrement, je regrette pas. Je regrette pas, c'est parce que j'ai dû faire le tour, c'est tout, mais. Il dit, la prochaine fois, on va bien y arriver, mamie, t'embête pas. Et combien de fois, il dit, mamie, tu vas revenir. Hein. Dominique, il a dit que tu devais revenir, hein. Il t'attend. Ben, je dis oui, mais quand ça ira mieux, je dis pour l'instant, bon, ben, mamie, elle va se faire opérer. Si tout va bien, l'année prochaine, si tout va bien, ben, je ne dis pas que je ne retournerai pas voir le LOSC. Super. Parce que mon petit garçon, il est tellement content, heureux. Rien que pour lui, je le ferai. Le LOSC en famille, c'est un dispositif avec plusieurs personnes. On a 12 places. On doit faire un projet voiture à pédale. On a démarré la voiture au mois de novembre. On fait ça tous les jeudis. On fait du ponçage. On peint la voiture. Et on avance bien. Ben, va avoir la forme d'un carambar. Pourquoi un carambar? Parce que le carambar, il fait partie du pont. Une usine à carambar. Et donc, on a pensé à ça pour faire la course. Oh. Je m'appelle Mégane, j'ai 17 ans, je suis au lycée, j'habite à Marcq-en-Barœul dans le quartier du Pont. Ben, en fait, Dominique a eu l'idée de faire une voiture à pédales pour participer au projet du LOSC en famille et avoir un acte de citoyenneté. La voiture à pédales, c'est une voiture pour faire qui va ressembler à un carambar. Et la course, elle aura lieu le 26 mai. On fait tous les jeudis, on la construit tous les jeudis avec. Avec Gégé et les parents et tout le monde.
Je m'appelle Eric, je suis le beau-père de Magane et le père de Thomas. Je suis rentré dans le projet du LOSC en famille par rapport à ma belle-fille Magane, qui a entamé le projet que Dominique et d'autres jeunes du FCP pour aller voir des matchs du LOSC. Avec Magane, le fait d'aller voir des matchs avec elle, ça rapproche un peu. On discute un peu mieux maintenant. Ensuite, avec les jeunes et les parents des jeunes, je pense que ça crée des liens et apprendre à connaître aussi son quartier. On habite dans un quartier, mais finalement, on ne connaît pas vraiment les gens qui y habitent. Alors, ce que ça fait de rencontrer les jeunes et les parents dans le projet du LOSC en famille, c'est pouvoir les croiser dans la rue, les reconnaître, leur dire bonjour, et puis discuter 5 minutes avec eux. Ça permet de mieux apprécier son quartier. Je m'appelle Philippe Planson, je suis vice-président de la Fédération française des clubs de voitures à pédales, dont la présidence est tenue par Dominique Caillé, qui est sur Réville, dans la Manche. Et je suis aujourd'hui délégué pour venir vous voir et vous présenter notre projet. Comment je vous ai connu? Par l'intermédiaire de mon président Dominique Caillé, qui a eu contact avec Dominique. Ce qu'on a fait déjà pour commencer, on a déjà expliqué ce qu'était la fédération, pourquoi les voitures à pédales, et de faire aussi connaître à la population, aux gens qui viennent nous voir, de découvrir ce qu'est une course de voiture à pédale. C'est pas qu'une montée de souder, de bout de ferraille ensemble, c'est de réfléchir un peu sur la technique et de créer sa voiture pour pouvoir pédaler et faire la course avec. Et nous essayons d'annoncer, de faire découvrir aux personnes qui ne connaissent pas la voiture à pédale, que c'est ce concept quoi. Bon, alors, 40 bars, j'imagine que vous devez avoir une blague. Ah, mais ils ont tout prévu, hein. Non, mais ils sont fantastiques. Quel animal est l'emblème des esthéticiennes? C'est le corbeau, c'est l'emblème de l'esthéticienne. 4, 2, 0, c'est parti. Allez, jouez, imagine le bateau, on va prendre le bateau de l'autre. Allez, c'est parti jusqu'à 17h. Là, ça va tourner. Le virage, j'ai l'impression que je ne vais pas aimer. Je pense que je vais avoir un rachat de tout. Ça, je sens qu'il va y avoir un problème entre lui et moi. Oui, il va faire le plus grand nombre de tours pendant la course de l'année. Par contre, on note aussi le look. Le tigre du Bengale suivi de Zébulon.